L'année parlementaire 2013 a été très riche. Parmi les nombreux textes, nous avons voté le mariage pour tous. Pour 331, contre 225. Après 136 heures et 46 minutes de débat, l'Assemblée nationale a adopté le projet de loi ouvrant le mariage aux couples de personnes de même sexe. Nous avons voté le non-cumul des mandats. Donc il faut aujourd'hui réparer des inégalités territoriales importantes qui sont la manifestation d'un clientélisme évident. Ce que je veux simplement dire, c'est que le non-cumul pour un parlementaire, c'est aussi la garantie de son indépendance dans le territoire dans lequel il est élu. Nous avons voté le contrat de génération et les emplois d'avenir, la refondation de l'école, la lutte contre la fraude fiscale et la délinquance financière, la réforme des retraites, la loi sur la consommation. Localement, l'agglomération de Bayonne a été classée parmi les 17 sites pilotes retenus au titre de l'Observatoire des loyers. J'ai défendu, en 2013, FR3 Escoaleri, le maintien de postes d'enseignants, l'enseignement en langue basque, l'Observatoire des violences faites aux femmes, de nombreuses entreprises locales innovantes et des associations. Je n'ignore pas que nous devons faire face à une situation sociale et économique dégradée. La lutte pour l'emploi reste la priorité de nos priorités. Mon agenda pour 2014 est déjà bien garni. Je partirai au Canada pendant une semaine fin janvier dans le cadre d'une mission parlementaire pour étudier la politique pénale canadienne et les choix originaux effectués en matière pénitentiaire. Le 15 février, je recevrai dans la 5e circonscription Christian Taubira, garde des Sceaux, ministre de la Justice, qui me fera l'honneur d'animer un atelier législatif citoyen sur le thème de la prévention de la récidive et de l'individualisation des peines. Projet de loi dont je suis responsable pour le groupe socialiste. Dès le 16 janvier, en commission des lois, je défendrai la proposition de loi visant à ratifier la Charte européenne des langues régionales. Je continuerai aussi à défendre les très nombreux dossiers locaux et plus particulièrement le contrat territorial, en lien avec les ministères concernés, plus particulièrement avec le Premier ministre. En ce début d'année 2014, je vous présente ainsi qu'à vos proches mes vœux. Des vœux de santé, des vœux de partage. Avec mon équipe, nous restons à votre entière disposition. Nous restons proches de vous. Nous restons à votre service. Je vous souhaite une très bonne année 2014.